Aujourd'hui, petit maquillage dans les tons de bleu. Avant d'attaquer le maquillage des yeux, bien entendu, je vais faire mon teint. Alors en ce moment, il fait chaud, je ne mets pas de fond de teint, je ne mets pas tout ça. J'utilise, voyez, de chez Covermark, cet anti-cerne, que j'utilise bien entendu comme anti-cerne, mais aussi pour enlever, voyez, lorsque j'ai des taches, lorsque j'ai des petits boutons, j'en mets aux endroits stratégiques où je veux un petit peu masquer. Bon, là, on dirait une indienne. Allez, j'applique. Vous voyez, ça permet d'uniformiser le teint, mais sans trop mettre de matière en cette saison. Ensuite, je vais utiliser le Secret Tan de chez Beauty Wild. Alors, je vais faire, vous savez, le fameux 3, comme ça. Voilà, des deux côtés, pour redonner un peu de couleur après le passage, justement, de cet anti-cerne un peu plus clair. Et puis, alors, moi, j'aime bien l'utiliser aussi comme un blush pour donner des couleurs, parce que l'été, j'ai pas forcément envie d'un maquillage très très appuyé. Passons aux yeux maintenant avec cette palette de chez Beauty Wild. Je vais faire mon fond de paupière comme d'habitude. Oui, je sais, avec les doigts ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi je préfère des doigts propres qu'un pinceau sale. Je fais le fond de ma paupière pour qu'ensuite les couleurs que je vais mettre par-dessus ressortent mieux avec ce blanc assez clair. C'est donc ce bleu que j'ai décidé de mettre aujourd'hui, c'est un bleu mat, et après vous voyez, quand je vais le rehausser, je le mets que sur ma paupière, vous voyez, enfin, j'ai dit qu'ils sont très très pigmentés, il n'est vraiment pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Et ensuite, je vais faire aussi le rehausser l'inférieur avec le même bleu. J'apporte maintenant un peu de lumière avec ce rose clair métallisé que je mets sur la partie interne de la paupière supérieure. Vous voyez, comme ça, en tapotant pour bien écraser les pigments et qu'ils ressortent bien. Voilà. J'utilise ensuite un pinceau flouteur pour, vous voyez, que ça ne fasse pas de démarcation et mélanger un petit peu les matières. Je le précise, je ne suis pas maquilleuse professionnelle, j'ai juste appris avec des make-up artistes et je partage mes maquillages pour vous montrer qu'il est simple de se maquiller sans avoir fait des super études en maquillage. Ensuite, j'utilise mon mascara de chez MAC, le MAC Stack. Il fait des cils incroyables. Je vais vous montrer avec seulement deux couches sur cet œil ce que ça va déjà donner. C'est incroyable. Regardez avec seulement deux couches que ça donne. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, je ne sais pas vous, moi, j'aime bien faire un petit peu les cils inférieurs. Je trouve que ça finit bien le maquillage. Et pour terminer sur les lèvres, un peu de cette huile crème de chez Clarins. C'est la numéro 4, je crois qu'elle s'appelle Rosewood. J'aime beaucoup, ça hydrate bien les lèvres et ça apporte une légère couleur. Je trouve ça très, très sympa. Alors voilà, maquillé en bleu. Qu'est-ce que vous en pensez? Un peu d'indulgence, je ne suis pas une pro. À plus !